Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test. Donc aujourd'hui, on va tester un produit qu'on a déjà testé. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais testé les comment ça s'appelle, les feuilles d'or de chez Action et j'avais fait un petit j'avais testé sur un support en carton bois comme ceci. Donc je me suis dit que cette fois-ci, on allait pouvoir le tester donc sur la Fimo. Donc pour ceci, donc, je vais utiliser les petites feuilles d'or de chez Action. Donc je crois que c'était 1,99 centimes, je crois, je me souviens plus. Enfin bref, donc je vais également utiliser un rouleau. On va essayer pardon, également avec de la fimo liquide pour voir si ça colle mieux ou pas. Et j'ai pris un petit pinceau comme ceci avec des poils tout doux. Même s'il y a un pinceau et une pince fournie déjà à l'intérieur. Donc on va faire un macaron. Donc je vais utiliser un emporte-pièce rond, un peu de pâte chocolat, de la pâte vanille et de la pâte blanche et du film alimentaire. Donc j'espère que ça va fonctionner et ça va être un peu un tuto crash test. Donc j'espère que ça va vous plaire et donc c'est parti, je vous laisse avec la suite. Cette vidéo, j'ai donc utilisé les feuilles d'or de chez Action, mais également du film alimentaire, de la fimo liquide, un petit emporte-pièce, un rouleau en inox, un scalpel, un pinceau à poils doux de préférence, une aiguille, une lame, de la fimo chocolat, blanche et vanille. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donné que j'ai déjà fait une vidéo sur ce produit, je ne vous le représente pas. Je vous invite à aller voir ma précédente vidéo crash test sur les feuilles d'or que je vous mettrai dans la barre d'infos. Voilà. Donc, je vais juste vous rappeler qu'à l'intérieur, il est fourni une petite pince pour attraper les feuilles et également un pinceau que je ne vais pas utiliser dans cette vidéo. Étant donné que je vais prendre un pinceau que j'ai moi-même acheté, voilà, tout simplement.
voilà à quoi ressemble le macaron. J'essaye de faire un focus. Voilà. Très simple macaron, mais très joli. Je trouve que c'est assez classe. Voilà. Donc si vous voulez l'accrocher, mettez un clou à œil. Et je voulais également vous montrer ce que j'ai fait hors caméra. Donc je me suis servi des restes de pâte et j'ai rajouté des petites feuilles d'or. Voilà. Et j'ai obtenu ce petit effet, comment dire, un peu motif un peu léopard, serpent, craquelé, très joli. Je trouve ça magnifique. On peut recouvrir des coques de macarons avec cette plaque de pâte. Et c'est plutôt sympa. Ou même autre chose, hein, un gâteau ou je ne sais pas. Et j'avais envie de le garder parce que je trouve ça vraiment très joli. Enfin bref, je vous laisse avec la suite et c'est parti pour le bilan. Donc voilà, bilan de cette vidéo. Je donne une note de 9 sur 10 parce que franchement, ça adhère super bien à la pâte. Je m'y attendais un petit peu au niveau de la fimo-liquide que ça allait servir à rien. Mais je voulais quand même tester, voir si c'était mieux ou pire. Effectivement, c'était pire, mais je suis super contente. Je vais pouvoir faire plein d'idées, enfin j'ai plein d'idées de création à faire avec cette petite... ces petites particules d'or et il existe également en couleur argentée. Donc voilà, après niveau avantage, c'est vrai que ça coûte très peu cher à Action. Je sais qu'il y a des magasins qui en vendent en feuilles, en plaquettes, mais ça coûte un peu cher. Je crois qu'ils en vendent sur des sites, donc peut-être eBay ou autre site, je ne saurais vous dire, mais... N'hésitez pas à me dire si vous savez dans les commentaires, ça pourrait en intéresser plus d'un. Enfin bref, donc bilan de cette vidéo, voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Sur le support Fimo, c'est génial. Par contre, sur le support carton bois, comme j'avais testé la dernière fois, c'est pas top. Voilà, parce que même si avec la glue ça marche bien, je trouve que dans le temps ça peut s'abîmer. Enfin bref, voilà. Comme vous pouvez le voir, ça fait un peu des traces. Enfin bref, on n'était pas là pour ça. Donc voilà, bilan de cette vidéo, c'est plutôt génial. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé de ce produit. Et si vous avez des produits que vous aimeriez que je teste. Et si vous avez des produits à me conseiller également. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo. Et moi, en attendant, je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!